Et bonjour à tous, ici Bouboufan pour la suite des aventures de Solange. Et donc aujourd'hui, après avoir battu Major Bob, on va continuer l'aventure. Donc normalement, si je me souviens bien, faut remonter. Ah bah en plus, il y a un professeur qui est apparu. Mais d'abord, on va avoir notre copine, l'infirmière Joël, qui dit toujours la même chose, blablabla, soigne les Pokémon. Et en plus, il y a des gens dehors. Et une voiture, bon. J'espère que ça s'entendra pas trop. Même si ça m'étonnerait. Alors. Tiens, bonjour Solange. Comment vas-tu? Je suis un des assistants du professeur Shen. Tu as déjà rencontré un autre assistant? Il avait un paquet de dresseurs. Il avait un paquet pour toi de la part du professeur. Il paraît que... qu'il t'a rencontré un ou deux. Si tu vas par là, essaye de le trouver. Ah, mais c'est vrai qu'on peut retourner en arrière maintenant. Alors, faut retourner en arrière avant de continuer. Oui, c'est vrai que je peux pas passer par là. Attends, je crois que j'ai pas un peu zappé le V. Ah, attends. Je crois que je vais dire plein de fois, attends. Alors, je vais peut-être faire une coupure, mais... Je crois que j'ai oublié le vélo. On verra ça. C'est par là, je crois. Non? Maître pêcheur. Yeah, j'obtiens la canne, c'est génial, on va enfin pouvoir attraper des Pokémon Oh, ou des Magikarp, parce que c'est trop cool. Non mais c'est triste que Magikarp ne sert strictement à rien. Sauf une fois qu'il est assez haut niveau, où il apprend une autre attaque. Je suis le président du fan club Pokémon, j'ai plus de 100 Pokémon, je suis médiatique quand on parle de Pokémon. Alors, tu veux en savoir plus des trucs de Pokémon? Bien écoute, mon préféré c'est Galoppa, il est mignon, adorable, incroyable. Je crois pas, oh simplement incroyable, je l'adore, il est tout doux, je lui fais des câlins, et aussi, et blabla, et je regarde l'heure. Oh merci de m'avoir écouté. Ah bah oui, c'est bien ce que je pensais. Échange-la contre une bicyclette. Moi c'est mon rapace de pique qui me transporte n'importe où. Je sais pas si c'est encore contre soit la CS vol. Mais ça me sera utile quand je la recevrai. Et donc, ben, je pense pas que ça sera coupé, alors, ben, on retourne à la ville de Hondi. C'est pas là qu'il y a quelque chose? Non. Allez, hop. Une fois qu'on aura la bicyclette, on ira trop vite, enfin, on va pouvoir continuer. C'est temps pour cet arbre peut être coupé. Mush à l'attaque. Mushroom. Les vélos, c'est là. Coucou. Un vélo ville. Non, c'est pas toi. Bah en même temps, je parle, il faut que je parle. Eh, mais ça va bon pour une bicyclette. Bien, voilà ta bicyclette. Yeah, enfin. Reviens me voir quand tu veux. Alors, Attends, comment est-ce qu'on fait pour... bicyclette enregistrée. Voilà. Maintenant, on va enfin pouvoir se déplacer plus vite. Enfin. On va plus perdre du temps. T'étais là, toi? Tu fais une encyclopédie? Non. T'étais là. Donc, normalement, je peux... Mais non, je peux pas retourner en arrière. Bah, attends. Non, c'est par où alors? La route 2 c'est... Oh là là. Ah bah tiens, tant que j'y pense, je vais aller acheter des repousses. Je sais pas si j'en ai acheté la dernière fois. Que je suis allé dans une boutique. Oh mais c'est pénible. Comment perdre du temps? Et après je m'étonne parce que je fais rien dans les vidéos. Faut pas s'étonner. Et je crois... attends. Là, c'est la route 4. Bah alors, faut que j'y retourne plus tard. Je suis un peu perdu, là, par contre. Et oui, je rentre en vélo chez les gens. Parce que moi, j'ai pas peur. Et d'ailleurs, j'ai carrément oublié de regarder si j'avais des repousses. Alors, est-ce que j'ai des repousses? J'ai des cordes sorties, j'ai des repousses, ça va.
C'est vrai que maintenant je peux aller ici. C'est bien. Parfait. Attends. Mais s'il m'a parlé d'ACS Vol, ça veut dire que je suis censé l'apprendre. Je me demande si je vais pas faire une grosse coupure pour Warp ou à la CS Vol, parce que là je suis vraiment un peu perdu. Parce que ça m'étonne, il me parle de la CS Vol et alors que et je peux apprendre la CS Vol. Et le dresseur, le scientifique, il me dit de retourner à la ville numéro à route numéro 2, alors ça doit ça veut dire quelque chose, j'en suis sûr. Alors on va, je pense que je vais faire une coupure, on va essayer de trouver qui est-ce qui vont qui est-ce qui me donne là cet évol. Ou alors c'est par le tunnel Topicar. Non, c'est bon. Ah purée, je suis perdu. Ah ça me paraît être une maison bien suspecte. Tu as changé des lettres avec des gens. Mon coude va apporter une lettre jusqu'à sa frania. Tant pis pour toi. Ou alors faut que j'aille dans la cave de Picard. Bah attends, la cave de Picard me mène où? C'est de nouveau une partie qui ne sert strictement à rien. Captopicker. Captopicker. Ok. Ok, non, c'est pas encore un CS Vol. Bon, je suis complètement perdu. Je sais pas si je vais. Je sais pas ce que je vais faire, mais voilà. Bon, ça va, les Topicker, ils sont gentils. Et dès que je dis ça, ils m'attaquent. Topicker. Niveau 22. Ah, ils sont quand même pas mal entraînés. Topicker est KO. Et Star Wars évolue au niveau 27. Plus que 5 niveaux. Et il y a du bruit en haut. J'espère que ça s'entendra pas dans la vidéo. Même si j'en doute beaucoup. C'est parti. Topicker, encore une fois. Massacre de Topicker. Il fait une ampleur 9 et qu'il y a... Il y a plein de bruit partout. Alors aujourd'hui, c'est vraiment pas une bonne journée pour tourner parce que il y a plein de monde dehors. Il y a des enfants qui courent, il y a des voitures et il y a les gens d'en haut qui n'arrêtent pas de faire du bruit. Ah, c'est vrai qu'ils ont piège. Viens, Topicker. Viens. Pas gentil. Et là je me gratouille. Plein de bruit. Je crois que cette partie va s'appeler inutile et plein de bruit. Enfin non, c'est pas inutile, j'ai quand même trouvé. Ah mais c'est. Mémoire de poisson rouge. J'ai quand même trouvé la bicyclette et. Et on avance petit à petit, alors bon. Voilà quoi. Enfin, on est au bout. Je suis allé dans la grotte, j'y voyais vraiment rien. Si Flash pouvait m'éclairer. C'est là? Coucou. Un Pokémon K.O. ne peut pas se battre même s'il utilise des techniques. Mais il peut encore utiliser des techniques. C'est bien. Cherche un bras. Tu veux me l'échanger contre un Monsieur Mime? Non. Monsieur Mime. Monsieur Mime. Ben c'est là la route 2, je crois, en plus. C'est là? Là y'a quoi? Rien, c'est magnifique. Ou bien c'est là? Mais je sais plus. Je sais plus. Ah, je suis perdu.
Ah, ça commence. As-tu remarqué les buissons? Non. Je suis pas un Pokémon. Ah non. C'est la route 2 au moins? Oui, c'est la route 2. Non, ça c'est Argentin. Il a. Eh, mais l'arbre il a repoussé! Ouais, c'est du sol vraiment plein d'engrais. Les arbres ils repoussent aussi vite que ça. Waouh, plein de bruit. Franchement, cette partie s'appellera plein de bruit. Oh, le papy. Salut, tu te rappelles pas? Je suis l'assistant du professeur Chen. Si t'attrapes 10 Pokémon. Alors, as-tu attrapé? Super, tu as 13 Pokémon différents. Ouf, heureusement que j'en ai fait évoluer parce que. Bon, au moins, dans ce Pokémon, c'est. Flash? Ah bon? Ah bah, d'accord. Ben. Ça m'arrange, mais bon. Bon, va falloir que je trouve un raccourci. Bah, retourne dans la cave Topkicker, allez hop. Mais cette fois-ci, je fais pas la même boulette. On va mettre en repousse, au cas où. Voilà, parce que c'est quand même pénible de toujours affronter des Topkickers. Des petits Topkickers. Allez hop. Ah, déjà. Oh, c'est l'arnaque. Et finalement, je me suis quand même fait attaquer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je pense pas que je vais plus continuer. Normalement, je sais que là, maintenant que j'ai la CS Flash, je sais où est-ce que je dois aller. C'est-à-dire que je dois aller jusqu'à Lavandia. Non, Lavandia, c'est dans... C'est à ON. Dans l'avant-ville. Donc, vu qu'il y a une grosse grotte avant, je pense que... Oh non, mais sérieusement, il est tellement rapide que ça. Tellement que je peux pas m'enfuir. C'est l'arnaque. On va plutôt lui faire trancherbe. Allez. Pourquoi t'es pas gentil, ce Topkicker? Pourquoi tu veux pas me laisser avancer? Allez. Presque. Oui, enfin la fin. Enfin, on va pouvoir continuer. Mais c'est fou le nombre de voitures aujourd'hui, c'est le festival aujourd'hui. Il y a eu déjà 5 voitures en 15 minutes. Bah 6. 16 même. C'est fou. Ça donne un peu les... un truc épileptique quand on fait comme ça. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle peut pas monter les escaliers avec son vélo. Allez, maintenant on va pouvoir continuer enfin par là où je voulais aller. C'est vrai, je me disais pourquoi il me manquait une CS, mais... J'étais pas sûr, mais au final il me manquait Flash. Et donc, ben, on est obligé d'affronter cette petite fille. T'as des Pokémon avec toi? En garde! La pique-nique! Alicia, elle a des Mystherbes. Mystherbe, il est sympa. 17. 17 voitures. Eh ben. Les Mystherbes, c'est sympa. Et il m'a endormi. Ça se fait pas. Et maintenant, il peut... Ça baisse l'esquive. J'étais sûr que ça baissait l'attaque, le doux parfum. Allez, réveille-toi, Stars. Ah, Stars, tu sers à rien. Bon, au moins là, il est sûr de pas me louper. Hein. Bon, ben. On est reparti pour une petite sieste. Petite sieste du. Stars. Tu fais quand même moi le malin, Stars. Qu'au début de l'aventure. Autant au début de l'aventure, tu te la jouais le Pokémon le plus cheaté du monde. Autant là. Je fais quand même moins le malin. 18. Allez, au bout de 20, j'arrête la partie. Bon, par contre, là, ça fait 15 minutes. Et j'aimerais bien arrêter la vidéo. Mais bon, la petite fille, elle veut pas me laisser tranquille. Oh, ouais, il était mieux comme ça.
Comme ça, un peu de pic-pic pour tout le monde. Pic-pic tout le monde. Pic-pic le chétif lore. Et il est mort. Waouh. Il y a même du bruit d'eau. Que du bruit. Encore un mystère. Teigneux gagne 300 points. Et encore un Chétiflore. Chétiflore mystère. Ça peut faire une musique, ça. Chétiflore mystère. Lui, je chante très mal, mais bon. Faut donner des idées. Bravo, on a pas du pink à Alexia. Non, Alicia. Ah, bien défendu. Au moins, elle a fait un play. C'est bien. Le papy, je lui fais pas confiance. Je savais que je peux pas lui faire confiance. Là, c'était 40. Eh, il attend, là. Allez, papy, tourne le regard. Mène. Oh. Bois, allez, bien perdre. Viens prendre ta paquet. Ah, je te déteste. Maurice, t'es pas gentil. Moi, je vais finir la partie. Et lui, il va absolument m'agresser avec son match-up. Tu sais que ça se fait pas. Je t'ai rien fait. Onyx. Alors ça, on va se faire plaisir. Un bon petit tranche d'herbe. Et là, ça fait 19 voitures. Alors je confirme cette partie. Ça sera la partie plein de bruit. Je crois que j'ai pas eu autant de bruit depuis... Et 20 voitures. Et normalement, j'aurais dû m'arrêter là. Mais j'ai envie de dire... J'aimerais bien arriver jusqu'au centre Pokémon. Et je sais pas par où je dois aller. Et j'ai peur de me faire agresser. Il a raison de penser ça. Mais seulement s'il a joué à Pokémon. Tu veux pas te pousser. Bon. Je vais faire un peu durer la partie. Mais bon. Mais je veux arriver à ce centre Pokémon. En avant mes Pokémon insectes. On s'en fiche, ils sont nuls. En plus, t'as que des chenipans. Au niveau 20, là, c'est la honte. À part si t'adores le Pokémon chenipan. Tu as le droit d'adorer le Pokémon chenipan. Mais c'est quand même un peu la honte. Ah, Spico. Allez. Oui, je commence à pleurer parce que la partie s'éternise. Ça à cause des méchants dresseurs. Oh, un Mimitos. Mimitos, il est mignon. C'est une boulette. Mimitos, il me fait un peu penser à un pompon. Un pompon que tu peux mettre à tes clés. Bonjour, moi je me balade avec mon Mimitos sur mes clés. Ah bah, tu peux faire une évolution. Oh, tu m'as attaqué de dos, ça se fait pas, espèce de vieux pervers. C'est qui le vieux pervers? Brice. Eh, sérieux, t'es un pervers, Brice. T'attaques les jeunes filles de dos. Oh, en plus, j'ai pas le bon Pokémon. Brice, t'es méchant. Les montagnards, ils sont méchants, ils veulent pas me laisser partir. En plus, je suis presque arrivé. Allez, s'il vous plaît, mais pourquoi t'es pas fort? Désolé de cette coupure, mais j'avais un petit empêchement. Parce que des gens adorent rentrer pendant qu'on tourne. Et donc, le racaillou il m'a fait une ampleur 10. KO de Wimpy Kong. Sérieusement, je déteste quand une personne rentre pendant que je tourne. J'espère juste que ça recommencera pas. Allez. Alors aujourd'hui, je crois que ça sera la dernière partie que je vais tourner. Parce que, sérieusement, avec tout ce bruit,
Tant pis si j'arrive pas au centre Pokémon, mais là ça va pas être possible, la partie dure 20 minutes. La partie elle dure 20 minutes, en plus j'ai plein d'empêchements là, avec des gens qui veulent absolument me parler. Bon. Donc je pense qu'on va battre ce vilain Brice, et j'arrêterai la partie. Tant pis si on n'est pas arrivé au bout, mais bon. Dur, très dur. Oui, tu parles de ton... Non mais... Oh là là. C'est bon, je peux arriver? C'est par là? Non, c'est pas par là. Non mais maintenant j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait un dresseur qui m'agresse. Enfin, bon. On est arrivé. Bon, je pense que je vais dire. Bah, j'arrête la partie ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine partie de Pokémon Verfeuille. A bientôt tout le monde!